Et bonsoir à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous. C'est 01 Live Hebdo, comme chaque jeudi soir, c'est toute l'actualité high-tech, vous le savez, avec un 01 Live exceptionnel, puisque vous le remarquez, nous ne sommes pas dans notre studio habituel, nous sommes ici au Mondial de l'Auto, car ça y est, c'est le coup d'envoi de ce Mondial de l'Auto. Nous sommes sur le stand Coyote, il y a déjà énormément de monde pour ce grand rendez-vous de l'automobile qui dure pendant 15 jours, et nous allons évidemment nous intéresser à la voiture connectée, à la voiture électrique. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Tu as oublié de dire l'essentiel. Oui. Ça se passe à Paris. Oui. Ça dure 15 jours. Oui. À partir de samedi, le grand public peut venir. Oui, parce que pour l'instant, c'est réservé qu'aux journalistes. C'est vrai. Donc n'essayez pas de venir ce soir, malheureusement. Et bien sûr, cette année encore, on en prend plein les mirettes. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Regardez ce petit apéritif là. Oui, ça, c'est ta voiture. T'es venu avec, je crois. Préparé par l'équipe de Noémie, Jean-David et Thomas et Pierre. Ah, bon, ça c'était la mienne, pas mal du tout. Bon, alors au menu de... Ça c'était la... Non, c'est pas drôle. T'as failli dire une connerie, si je puis me permettre. Oh. Une bêtise, pardon. Donc au menu de ce Zero Live un peu spécial, il y aura deux parties. La première, bien sûr, toute l'actualité high-tech avec la rédaction du labo tout à l'heure. Et puis juste après, on vous fera découvrir les trophées de la voiture connectée 01net avec toute la rédaction de 01 qui viendra nous présenter ces trois lauréats. Et et on parlera également d'autres choses finalement, parce qu'on va quand même retrouver nos amis du labo qui vont venir nous parler de smartphones. Cesse de ricaner bêtement, François Sorel. Non, je t'écoute avec tellement d'humour fait, c'est pour ça. Mais c'est pas mal, Jérôme. Donc, voiture électrique, voiture connectée et smartphone et trophée de la voiture connectée de l'année. Ça fait un joli programme. Voilà, soyez les bienvenus. C'est parti donc pour ce 01 Live Hebdo. Et donc pour débuter, Jérôme, notre question 01net Orange, comme chaque jeudi soir. Êtes-vous prêt à acheter dès aujourd'hui une voiture électrique ? On va parler de la voiture électrique dans un instant. Et donc nous vous posons la question cette semaine. Vous allez sur www.01nettv.com. Donnez-nous votre avis, ça nous intéresse, ça permet d'alimenter le débat. Êtes-vous prêt dès aujourd'hui, oui ou non ? Moi, je peux répondre ? Oui, tu peux répondre. Je dis oui. Tout à fait. Je suis prêt. Toi, tu dis oui. Je suis prêt, mais n'hésitez pas, bien évidemment, à voter sur www.01net.com. Eh bien, ça tombe bien, Jérôme, parce que ça va être notre premier sujet d'actualité de ce soir, la voiture électrique. Avec nos intervenants. Bonsoir. David Noguera. Noguera, pour commencer. Salut, David. Bonsoir. Et puis Jean-Luc Moreau, mon camarade d'RMC, qu'on retrouve tous les dimanches. Bonsoir les amis. Dans le week-end des experts, donc sur RMC le dimanche de 8h à 10h, spécialiste s'il en est de l'automobile et amoureux des véhicules électriques aussi. Si vous nous écoutez sur RMC de temps en temps, vous l'avez sans doute remarqué. Mais vous verrez que quand vous en aurez une, François, puisque j'ai compris que vous alliez franchir le pas, c'est vachement sympa à conduire. C'est surtout ça qui est intéressant. J'ai c'est pas simplement moins pelant, c'est plus sympa à conduire. David, c'est la grosse tendance de ce Mondial de l'Auto ? Oui, quand même, à défaut d'avoir des grosses innovations, on peut dire que l'électrification est dans l'air. Ça va passer par les grandes marques et forcément... Ça va se généraliser. Ouais. Et puis alors, il y a eu des annonces dès aujourd'hui. Il y a eu des annonces dès aujourd'hui. Effectivement, je pense que ça a commencé avec la levée du voile sur Zoé. Arrête-moi si je me trompe, si j'ai raté quelque chose, mais je crois qu'on a commencé par Zoé du côté de chez Renault avec cette nouvelle autonomie, 400 km maintenant. Pour Renault Zoé, donc ça commence à devenir donc un peu on plus double pratiquement l'autonomie, c'est ça de la Zoé qui était donnée à combien, 250 non, c'est ça un 200 peu plus de 200 km en fait. D'accord. La batterie qui avant faisait 22 kWh utile maintenant fait 41 kWh utile et surtout la bonne nouvelle c'est que le modèle ne sera facturé que 1 500 € de plus que l'ancienne, elle en offre deux fois plus pour 1 500 € supplémentaires, donc franchement ça vaut pas le coup de s'en priver. Pourquoi Renault fait ça ? Pour rassurer un peu les gens, pour leur dire, attendez, c'était peut-être ça qui vous faisait peur, il n'y avait pas énormément d'autonomie. La question que vous posez là, est-ce que vous êtes intéressé par la voiture électrique ? Aujourd'hui, les deux premières réponses que vous allez avoir, alors dans ceux qui disent oui, ou plutôt dans ceux qui disent non, les deux freins principaux, c'est l'autonomie, et ils ont fixé la barrière à 300 km. C'est-à-dire qu'ils estiment que le jour où les voitures électriques offriront 300 km, le premier frein est levé. Et le deuxième, c'est le prix. Et le prix, en fait, avec les aides de l'État qui perdurent en France pour l'année prochaine, on le sait maintenant avec la loi de finances, on peut considérer qu'une partie du surcoût est absorbée par l'État. Donc le premier frein à sauter, l'autonomie, ça y est.
300 km réels pour la nouvelle Zoé. C'est pas rien quand même. Oui, enfin, c'est pas encore l'autonomie d'une voiture essence, les amis. Non, mais vous avez d'autres modèles. Par exemple, sur son stand, Volkswagen a présenté alors une voiture qui... Alors, si on le dit en français, ça fait idée. C'est un concept. Idée, c'est sympa. Si on le dit en anglais, ça fait ID. On a l'impression qu'il y a des couettes. C'est un concept, mais qui préfigure... Ça s'écrit pas de la même manière, en fait. C'est ça, la ID, on va la voir, je crois. Oui. C'est voilà. Une voiture assez c'est jolie. Un concept hein. De car, hein, c'est une voiture instant. Plutôt wow. Sympa et surtout qui va annoncer entre 400 et 600 km d'autonomie. Donc, certes, c'est pour 2025, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les véhicules électriques, souvenez-vous, les premières qui sont sorties, on avait 100, 120 km d'autonomie. Les on premières, est rapidement, il fallait même brancher tout le temps une balance. Il fallait un fil derrière, 120 km avec un fil derrière. Non, mais la deuxième génération, la Zoé qu'on connaît, offrait 200 km d'autonomie, peut-être un peu moins en usage réel, entre 150 et 200. Ensuite, il y a encore des nouveaux modèles qui sont arrivés avec des batteries un peu plus grosses. Et là, on franchit de nouveau une étape. C'est-à-dire que là, maintenant, le cap des 400 km paraît atteignable. Et même, on annonce 500 km chez Mercedes ouais. avec une nouvelle marque carrément dédiée à l'électrique qui arrive chez Mercedes. Alors, vous pouvez voter sur, on le disait, zeronettv.com et zeronet.com. Et vous pouvez nous en dire plus sur Twitter, bien exactement. Sûr, comme chaque semaine, hashtag 01live. Dites-nous précisément pourquoi vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt à acheter une voiture électrique. J'ai l'impression aussi, David, que les voitures électriques accélèrent aussi l'adhésion aux véhicules connectés, parce qu'aujourd'hui, un véhicule électrique est forcément connecté, ce qui n'est pas le cas d'un véhicule thermique. Il y a effectivement la partie, les interactions qu'on va avoir avec son smartphone, parce qu'on va avoir besoin de savoir quelle autonomie il me reste avant que je parte de chez moi. On va avoir envie aussi de déclencher peut-être sa clim pour préconditionner l'habitacle. On va avoir envie de lui envoyer des adresses. Et il y a toute la partie service connecté pour savoir où je peux retrouver ma borne de recharge la plus proche. On parlait du concept ID de Volkswagen, c'est un véhicule qu'ils ont d'ores et déjà orienté comme un véhicule autonome 2025. Ils envisagent de la placer aux côtés de la Golf GTE, qui est déjà leur véhicule hybride rechargeable dès 2020 et dès 2025 de commencer à se parler de véhicules électriques. Donc c'est forcément quelque chose. L'intérieur, alors on fera un sujet sur ce véhicule et on vous montrera un petit peu l'intérieur aujourd'hui. Il y avait vraiment beaucoup de monde autour de ce véhicule. C'est un intérieur qui est complètement futuriste. Attendez, le volant est tout petit. Cette ID, on en est où? C'est un prototype? C'est un quoi? C'est car, un truc qui va sortir? Ouais, c'est un concept car, ouais. Ça annonce en fait une révolution chez Volkswagen, parce que au-delà de ce concept car électrique, ce que Volkswagen est en train de nous dire, c'est on va réorienter toute la gamme vers les véhicules électriques. C'est ça qui est extrêmement important. Ça veut dire que Volkswagen, qu'on connaît comme constructeur de TDI, de TSI... et surtout qu'il n'y a quand même pas ça mauvais quart d'heure l'année dernière. Exactement. Enfin, un quart d'heure qui dure d'ailleurs. Oui. Alors, est-ce que ça a précipité leur décision? On peut imaginer que oui. Et puis, ils se rachètent une bonne conduite, non? Sans mauvais jeu de mots, en se disant, on se lance sur l'électrique, non? Oui, peut-être, mais c'est pas les moins vertueux, c'est pas le plus mauvais élève de la classe, Volkswagen. Ouais, mais non, Jean-Luc, j'ai appris que en fait, les constructeurs n'avaient pas le droit de communiquer sur le fait que, soi-disant, la voiture électrique est plus propre. Elle est de fait plus propre de ce qu'on appelle du réservoir à la roue. Alors il n'y a pas de réservoir, vous allez me dire, de la batterie à la roue, c'est vrai qu'il n'y a pas d'émission locale de polluants. Mais il faut fabriquer l'électricité. Mais l'électricité, on a plusieurs façons de la fabriquer. Il y a des méthodes vertueuses. On peut faire du renouvelable. En France, on a de l'électricité la nuit qui ne sert à rien. Si on peut charger des voitures électriques avec, tant mieux. Franchement, donc elle est quand même plus propre que la voiture. Plus propre des véhicules thermiques. Non, mais imaginez demain si Paris accueillait 50% de ses véhicules en électrique. Eh bien, on pourrait rouvrir les voies sur berge. Eh bien, ils pourraient toujours ouvrir les voies rouler sur les voies sur berge, puisque c'est interdit. Oui. Que vous ayez une voiture électrique, on pourrait les rouvrir. Du coup. Il va falloir commencer à fermer des centrales. Essayez d'écrire à Anne Hidalgo pour voir si elle est réceptive à votre argumentaire. Qui est une amie proche, hein. Jean-Luc, on l'a remarqué. Oui. Si vous nous écoutez sur AMC, vous le savez que... La seule maire de Paris, la seule maire d'une grande ville du monde qui ne se déplace pas pour l'ouverture du salon automobile de sa capitale. Ouais, ce qui est quand même juste énorme. Ça, c'est vrai que c'est un petit problème. J'aimerais qu'on revienne deux secondes sur les aides, parce que ça, peut-être que tous ceux qui nous regardent ne le savent pas, mais aujourd'hui, quand tu achètes une voiture électrique, Jérôme, tu peux avoir jusqu'à 10 000 euros d'aide
Alors il faut malgré tout avoir un véhicule diesel. Pour restituer son diesel. Pourri dans un coin, dans un garage. Il faut avoir quoi. Une vieille Fuego diesel qui traîne dans un garage et si on la met à la benne. Non, on l'a plus de 15 ans. La Fuego diesel. Ouais. Et François on peut bénéficier la sienne, d'ailleurs. 10 000 euros, oui, exactement. Ouais. Non, mais déjà 6 000 il faut la posséder quand même depuis un an, hein, la voiture. Oui, c'est bien, vous pouvez pas dire la veille, j'achète sur le bon coin une vieille poubelle diesel et le lendemain, je la revends à l'État parce que la prime normale, c'est 6 300 euros. Voir arriver. Non, mais c'est vrai que c'est un argument qui peut vraiment aider à se décider. Mais alors, finalement, ça va durer combien de temps ? Alors, c'est reconduit pour l'année prochaine, puisque dans la loi de finances, il est prévu de continuer d'accorder le bonus de 6 300 euros et le super bonus de 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique. En revanche, ceux qui voulaient acheter une voiture hybride simple, bah, eux, ils avaient 750 euros de bonus, c'est terminé. Hein, à partir de la fin de l'année, 31 décembre, fini. Il n'y aura plus de bonus que pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. D'accord. Ce qui serait fort, ce serait que cette prime s'arrête avant que les vraies voitures super intéressantes, enfin, modèle 3 qui est toujours pas là et qui va tarder un petit peu à arriver, on le sait, elle va arriver avec un prix très agressif. Et d'ici à ce qu'elle arrive, si cette prime s'arrête, ça serait dommage. Eh oui. Alors là, vous avez, il y a une voiture, c'est très intéressant là, parce que sur vos images, on voyait quelque chose dont on n'a pas parlé chez Renault. C'est un concept car qui s'appelle Trésor. Ah oui. Alors il y a un truc qui est intéressant sur ce salon, c'est que tous les concept cars, sans exception, sont électriques. Et chez Renault, c'est quand même un signe, hein, ça. Voilà. Mmh. Et chez Renault, ce concept car, alors il est assez spectaculaire, hein, parce que il fait 1,08 m de haut et 2,18 m de large. Il est tout plat et d'ailleurs il n'y a pas de portière pour rentrer, c'est le toit qui bascule. C'est un toit escamotable. Voiture une porte, voilà. Voiture une porte, mais qui est électrique. Qu'est-ce qu'elle est belle, wow. Et elle est super belle. Ouais. Et ça démontre une chose. Elle est belle pour les salons, mais tu te vois te balader comme ça. Ah oui, moi oui. Non, et puis le problème de portière dans le parking. Moi je me vois très bien au volant de ça. Alors ce qui est important, c'est que ça peut faire rêver. Donc la voiture électrique fait rêver, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est vrai, quand vous parlez de voiture électrique, franchement, ça ne faisait pas super rêver. Bon, maintenant, au moins, il y a Tesla déjà qui fait rêver depuis un petit moment. Et avec des concept cars comme ça, il y en a même d'autres qui vont arriver avec des performances qui peuvent être ébouriffantes. Hein, parce qu'une voiture électrique, ça accélère plus fort qu'une voiture thermique, puisqu'on a le couple au démarrage. Donc, en termes d'accélération... C'est comme les autos tamponneuses quand on était petit, ça pouvait se coacher quand même. Alors, vous avez des références assez lointaines, François, mais Mais que voulez-vous, j'ai des bons souvenirs d'auto tamponneuse. Alors, c'est un peu de l'auto tamponneuse. Alors, c'est peut-être une solution à récupérer pour l'autonomie, d'ailleurs. C'est d'installer une grille au-dessus des rues et puis d'avoir Un tramway. Comme les tramways. Ah oui, c'est une idée, ça. Jean-Luc, on a beaucoup parlé de Renault, etc., mais quid de Peugeot dans cette histoire-là ? On a l'impression que Peugeot est un peu en retard, non ? Alors, Peugeot, non, parce qu'ils ont annoncé, ils ont un plan qui s'appelle Push to Pass. Ah, Push to Pass. Ça fait pas très Frenchy, Push to Pass. C'est pas Frenchy, mais ils ont des ambitions internationales. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient revenir sur le marché nord-américain. Oui. Et pour arriver sur le marché nord-américain, on n'arrive pas avec du diesel, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce qui va arriver chez PSA ? Parce qu'il faut dire PSA, faut pas dire Peugeot ou Citroën. Qu'est-ce qui va arriver chez PSA ? Ils l'ont annoncé, des voitures hybrides rechargeables essence, et des voitures électriques dans un deuxième temps. Donc ça veut dire que même PSA, qui jusqu'à présent était quand même un ardent défenseur du diesel, a pris le virage de l'électrique. Hein. Tous les constructeurs l'ont pris. Hein. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas pris le prendront dans la gueule. Oui. Voilà. Ils peuvent plus permettre. Ou iront dans le au moins, c'est clair. Très bien. Petit point sur le sondage Zéronet Orange, Jérôme. Êtes-vous prêt à acheter aujourd'hui une voiture électrique ? C'est la question Zéronet Orange du jour. Vous allez sur www.zeronet.com pour voter. Et voici la tendance. Eh bien, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il y a encore une majorité de non, malgré tout. Ouais, mais qui n'est pas énorme. Moi, je suis quand même assez étonné. C'est hein. Parce qu'on leur on est pratiquement à moite-moite, Jean-Luc. Oui, 44%, non, 56%. Ça veut dire qu'il y a pratiquement quand même un de nos internautes sur deux qui serait prêt à acheter aujourd'hui une électrique, c'est quand même énorme. Hein. On a la voiture qui va finir de les convaincre, mais c'est un petit peu plus tard. Voilà. Voilà. Ouais, parce que on va vous laisser, messieurs. Vous allez aller en coulisses, peut-être tester tous les appareils Coyote qui sont là. Ouais. Et après, vous revenez parce qu'on va découvrir les trophées de la voiture connectée. Et vous avez chacun un coup de cœur. Hein. Exactement. Et pour Jean-Luc, ce sera d'ailleurs la voiture connectée de l'année de la rédaction de 01net. Et ce sera d'une tout marque à l'heure. Française qu'on ne citera pas. On va garder le suspense. On garde le suspense. Mais regardez, ils sont là, les trophées. Hein. Jérôme, ils sont beaux. Hein. Magnifique. Voilà, magnifique. Et ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de ce rond live hebdo. Messieurs, à tout à l'heure. Delphine Sabatier nous rejoint tout de suite pour son Zoom Actu dédié à l'automobile, bien sûr, vous vous en doutez. Il y a
Je rappelle que nous sommes en direct, hein, oui, bien sûr, ce soir. Oui, nous sommes en direct au Mondial de l'Automobile à Paris, à la Porte de Versailles, sur le stand de Coyote qui nous accueille ce soir pour un Zéro Live spécial qui va se prolonger au-delà de 18h30. Restez avec nous pour découvrir la meilleure voiture connectée de l'année. Voilà, et puis lorsque ce salon sera ouvert, n'hésitez pas à parcourir toutes les allées de ce salon, à venir sur le stand de Coyote. Il y a même des expériences de réalité virtuelle, hein. C'est un peu à la mode en ce moment, et ça a l'air plutôt cool. Delphine Sabatier nous a rejoint pour son Zoom Actu. Bonsoir tout Delphine. Le monde. Bonsoir Delphine. Alors Delphine, chaque semaine, c'est un gros plan sur un fait d'actualité. Mais aujourd'hui, Delphine, vous vous êtes permis de vous lâcher, de Comment rêver, de fantasmer sur la voiture. C'est vrai que j'aime bien les voitures. Voilà, j'avoue, je suis ravie d'être au Mondial de l'Auto. J'ai très mal aux pieds parce que c'est très grand et qu'il y a énormément de modèles à aller voir. Puis il ne fait pas trop chaud, ça qui est bien. Oui. Hein ? Et du coup, je ne pense qu'à une chose quand je suis ici, c'est quelle est la voiture idéale selon moi ? Alors évidemment, elle est connectée. Ça, ce n'est pas un mystère. Il faut qu'elle soit intelligente, cette voiture. Il faut qu'elle ne soit pas trop polluante. Il faut qu'elle puisse conduire quand je n'ai pas envie de conduire, mais aussi qu'elle me laisse conduire quand j'ai envie de conduire. Et on a eu un bel exemple, un beau modèle avec Valeo qui a fait tourner sa voiture sur le périphérique pendant 24 heures. Alors pourquoi c'est un bon exemple ? Sans que personne ne la conduise ? En toute autonomie. Alors c'est pas énorme en termes de kilométrage, il y a eu des prouesses bien plus importantes. Oui. Ce qui est intéressant, c'est le périphérique. C'est-à-dire c'est ce que je prends moi tous les matins personnellement, avec des voitures qui arrivent de tous les côtés, aucune des distance deux roues de sécurité qui est respectée. J'imagine que vous devez pester de temps en temps sur le périph', Delphine. Ouais, je fais des tas de trucs pendant ce temps. C'est vrai. Regarde-le, lui, devant, là. Mais t'as vu un peu, mais avance. Non, c'est pas son style. Non, du coup, je pars très tôt, je rentre très tard, ça, je suis un peu plus tranquille, mais... C'est vrai que c'est un moment où, en revanche, je ne prends aucun plaisir à conduire et je serais ravie qu'il y ait une voiture suffisamment maligne pour prendre la main. D'accord. Je fais partie aussi de tous ces Français donc, qui conduisent tous les jours, 59% des Français. Et qui font la cuisine dans la voiture. Qui prennent la voiture tous les jours, c'est quand même très important. Et 80% des Français qui pensent que l'idéal reste d'avoir une voiture. Donc je pense que l'avenir de la voiture, ça reste la voiture, contrairement à d'autres théories. Qui existent sur les transports en commun et tout ça. Et ça, c'est une solution pour les zones très denses. Mais on va partager, à votre avis, les véhicules demain ? On les partagera ? Voilà. Dans les zones très denses, on peut imaginer plein de choses très intelligentes avec du covoiturage, avec de l'autopartage. Ça reste quand même aujourd'hui un vrai plaisir aussi d'autonomie et de liberté d'avoir sa propre voiture. Et bien je pense sûr. Que ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, j'ai regardé aussi les inconvénients d'avoir une voiture. Parce que cette voiture idéale, il faut qu'elle résoudre tous les problèmes. Alors, les problèmes, c'est quoi ? Ça coûte cher, une voiture, en termes d'achat, mais surtout en termes d'entretien. Alors, en termes d'entretien, aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites et qui sont assez remarquables sur les diagnostics. C'est-à-dire, on a des systèmes intelligents qui sont capables de communiquer à distance avec mon constructeur pour me dire quel est le problème, est-ce que j'ai un souci technique. Les freins, il faut bientôt les changer. Voilà, et qui peut même m'envoyer une petite alerte, ça c'est sympa, si j'ai bientôt plus d'essence ou s'il faut que je regonfle mes pneus. Voilà, donc ça, sur toute la gestion, je dirais, de l'intendance, du quotidien de la voiture. Oui, il y a une espèce de veille technique du véhicule, c'est ça ? Ça peut être déporté grâce à des systèmes intelligents de voitures connectées. Ensuite, autre galère, je dirais, avec la voiture, c'est quand même chercher une place pour se garer. Alors, j'ai lu le chiffre qui m'a effarée, c'est-à-dire qu'on passe un an de notre vie à chercher une place de stationnement. Au secours. Ah bon, vous savez qu'après, il y a une autre statistique avec Jérôme, c'est qu'il remet une autre année pour retrouver la voiture qu'il a garée quelque part où il ne sait pas où voilà, c'est. Voilà, ça peut arriver aussi. Deux problèmes, une solution. C'est donc, ça. Cette voiture connectée, évidemment, il faut qu'elle sache se garer toute seule, il faut qu'elle repère des places de parking autonome, il faut qu'elle communique avec son environnement pour repérer les places à distance. Et puis, il faut évidemment qu'elle m'alerte pour me prévenir où elle est. Il faut qu'elle soit géolocalisée en permanence pour que je la retrouve. Ça, je suis bien d'accord. Et y compris dans les souterrains où le GPS ne passe pas, eh bien, il faut trouver des solutions. Donc, cette voiture connectée idéale, il faut qu'elle sache faire ça. Il faut aussi qu'elle s'adapte à l'environnement. Il faut qu'elle soit petite, légère et pratique en ville. Et puis, qu'elle soit grosse et costaud quand je pars en voyage avec... toute ma famille et surtout je crois qu'on va lui acheter Goldorak. Tous mes bagages. Je ne sais pas si elle va la trouver quand même cette année, sa voiture idéale. Non, je ne suis pas sûr encore. Est-ce que je l'ai trouvée cette année ? Ah. C'est ça, là ? C'est quoi ? C'est ça ? C'est ce petit machin. Ah ben ça, c'est ma petite voiture pour la ville. Mais ah oui. On s'en rapproche. Et vous irez bien. Ce qui est intéressant, c'est que elle se quand même, d'année en année, on se rapproche de cette voiture connectée idéale. On est sorti de cette période de gadget où finalement le numérique était juste là pour écouter sa musique et envoyer trois textos par reconnaissance vocale.
on commence à avoir vraiment des assistances intelligentes et qui ne nous pénalisent pas non plus dans l'usage quotidien de notre voiture. Et vous allez voir, on va remettre des prix qui vont révéler tout ça. Delphine, vous restez là ? Absolument. On va aller du côté du labo avec Raphaël Grablier et Jean-Sébastien Zanqui. Et puis après, deuxième partie de ce 01 Live Hebdo exceptionnel avec la remise des prix du trophée de la voiture connectée de l'année 01 Net de l'année 2016. Et croyez-moi, ça s'annonce pas mal. Hein. Il y a trois catégories, ce sera donc dans quelques minutes. Merci Delphine, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Delphine. Et on enchaîne avec le labo, Jérôme. Oui, et on va parler, je vous l'ai dit, de smartphone, car ne passons pas à côté de ce qui fait également de nos passions. Qu'on aime, de nos passions, de ce qu'on aime. Évidemment. Donc, où sont-ils ? On met un petit jingle, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça, vous allez voir, c'est un truc, ça bouge, ça fait de la musique, et on revient après. Nous y sommes. Oui, ça y est. Ils sont là. Raphaël Grably, bonsoir. Salut. Salut Raphaël. Bon. Jean-Sébastien Zanqui. Bonsoir. Bonsoir. Lequel des deux est le plus bronzé ? On rentrera pas dans ce débat, s'il vous plaît. Messieurs, bonsoir. Le Labo 01net s'est donc délocalisé pour venir ici au Mondial de l'Auto. Ils sont sympas. Cela dit, les gars, vous avez juste eu la rue à traverser. Hein, donc, on a pris le tramway. C'est pas beau, parce que c'est pas loin. Et vous êtes venus avec vos petits smartphones et pas mal de nouveautés affriolantes, j'allais dire. Affriolantes, originales surtout. Ouais, il y a des choses plus sympathiques. Plus original qu'affriolant. Ouais. On commence par quoi ? On commence par qui, alors ? Peut-être le plus affriolant, entre guillemets. Ouais. C'est le Sony Xperia XZ. On en a entendu parler à l'IFA. Alors, oui, il est là. C'est pas, voilà, on doit le voir à l'image. Donc, il succède un petit peu au Sony Xperia X Performance qu'ils avaient présenté il y a 6 mois. Et au Z5 il y a 1 an, donc ils en présentent assez souvent. On l'a testé pendant quelques jours. Au niveau du design, c'est vraiment Sony qui fait du Sony avec toujours cet effet un petit peu carré, un peu l'effet cube, un peu gros, on va dire, un peu imposant. Et moi, ce que j'aurais à lui reprocher finalement, c'est peut-être son capteur d'empreinte digitale au niveau de l'ergonomie qui est à droite. Alors c'est une idée qui n'est pas mauvaise. Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur l'écran, souvent, il est sur la tranche. Souvent, en fait, il est en bas ou il est derrière. Ouais, ouais. Et là, il est sur la tranche droite. D'accord. Et le problème, quand on est gaucher, c'est très sympa. Quand on est droitier, c'est très sympa parce que ça tombe entre guillemets sous le pouce. Quand on est gaucher, il faut tirer un petit peu pour l'avoir avec l'index. Et à la longue, on déverrouille peut-être, je sais pas, 100, 150 fois par jour. Et Raphaël est gaucher. Je suis gaucher, évidemment. Et ben voilà. Voilà. Donc mais malheureusement, il aurait pas dû tester ce téléphone, c'était pas pour lui. C'était pas le téléphone qui était pour moi. Mais non, mais non. Bon, c'est pas dramatique, mais au niveau de l'ergonomie, Sony a rien changé en fait par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est un petit peu dommage, on aurait aimé voir réajuster quelques petites choses comme ça. Sinon, mais il se positionne comment par rapport au... Alors justement, c'est un haut de gamme, il coûte 700 euros. Il y a un Snapdragon 820 à l'intérieur avec 3 Go de RAM. C'est vraiment un concurrent direct hein, des Galaxy S7, des HTC 10, des LG G5, etc. Alors effectivement, il se comporte très bien en jeu, avec les graphismes à fond, etc. Il est très performant. Simplement, moi, j'ai noté qu'il y avait quelques petits ralentissements de temps en temps qui n'étaient pas très agréables. Alors, c'est très léger, on va dire, mais c'est assez étonnant pour un smartphone à ce prix-là. Et le gros défaut, finalement, et on va en reparler au niveau de la photo, mais l'appli photo, elle est vraiment très lente. Quand on prend une photo, ça calcule le rendu, ça peut prendre 2-3 secondes. Pour calculer un rendu, c'est très étonnant. Ah ouais quand on voit que sur S7, c'est quasiment instantané, etc. Donc, mais tu as eu le modèle définitif ? Non, c'est le modèle définitif et je suis pas le seul à avoir, vu ça. C'est très étonnant de la part de Sony. Et justement, la partie photo, en fait, c'est censé être l'arme vraiment de ce Sony Xperia. Parce que rappelons que Sony fait quand les capteurs de tous les fabricants. Ouais. Et paradoxalement, Sony n'arrive pas franchement à devenir le leader dans la photo. Alors celui-là, la différence, c'est toujours du 23 mégapixels, donc un capteur, on va dire... Pourtant, assez... Pierre Thiolien là, sort bien, là. De dos, il est mieux même. Voilà. Là, il est moins bien. De là, dos, il est bien. Enfin, de dos, Pierre est très très bien. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est le capteur 23 mégapixels qui est bourré de détails, entre guillemets, mais théoriquement, parce qu'en fait, il n'est pas si détaillé que ça. Il y a un travail logiciel qui est un peu trop forcé au niveau du lissage. D'accord. Par contre, ils ont beaucoup parlé de l'autofocus laser. C'est la nouveauté. C'est censé pouvoir suivre des sujets en mouvement. Alors, je me suis un peu amusé avec JS hier. On s'est bien amusé. Et ça marche bien. C'est-à-dire que même quand JS s'est amusé à faire quelques petits sauts devant moi, et par rapport à d'autres smartphones, JS n'était pas flou. On va faire le making-of. Non, parce que voir sauter dans tous les sens, Jean-Sébastien, ça vaut quand même. C'est un beau petit dossier. Hein. Oui.
Jean-Sébastien et j'ai fait mon sport pour l'année. Pas souvent, voilà, il a fait son sport pour l'année. Donc finalement, c'est quand même un bon smartphone. Le problème, c'est qu'il est trop cher. Et puis il y a une concurrence quand même qui est exacerbée en fait, aujourd'hui. Alors il est à 700 euros, donc c'est le même prix. Oui, c'est oui. le même prix que le Samsung Galaxy S7 qui est franchement meilleur. Mais en fait, il n'est même pas meilleur que le OnePlus 3 ou que le Honor 8 qui sont à 400 euros. Donc c'est un peu le problème avec Sony. Ils font des smartphones comme on en faisait peut-être il y a 2-3 ans. Soit il faut passer vraiment un cap en photo, soit il faut baisser les prix. Voilà, c'est un bon smartphone un peu trop cher. Je suis quand même assez inquiet pour la branche mobile de Sony quand même. Oui, il sort beaucoup de smartphones qui se ressemblent. Voilà, ça fait plusieurs mobiles qu'on teste au labo et qui ne sont pas franchement très concluants. Non. Malgré tout, ce sont des mobiles très chers. Ouais, c'est quand même assez inquiétant. C'est un cran en dessous de la concurrence, donc Sony, c'est un petit peu compliqué. Il faut vraiment qu'ils se remettent en question au niveau de la photo, surtout. On est d'accord. C'est incompréhensible. Ils font vraiment ce qu'il y a de mieux. Enfin, ils fournissent tout le monde et ils n'arrivent pas à faire les meilleurs smartphones. Mais c'est un peu le problème global de Sony, pas seulement sur les smartphones d'ailleurs. Hashtag 01Live, on est en direct depuis le Mondial de l'Auto sur le stand Coyoc pour ce 01Live. Vous voulez réagir, poser vos questions, n'hésitez pas. Merci Raphaël, tu restes là. On enchaîne avec deux autres smartphones. Ouais, tout à fait. Encore un autre smartphone à 700 euros, qui est le nouveau Moto Z, donc le haut de gamme de anciennement Motorola, qui appartient désormais à Lenovo, la marque chinoise. Donc c'est vraiment le premier moto qui est entièrement conçu par Lenovo. Donc on demandait à voir ce que ça donnait. Et c'est très intéressant parce que l'originalité de cet appareil, c'est d'avoir ce qu'on appelle des mods, c'est-à-dire c'est des modules qui vont se clipser au dos de l'appareil. Et il y a plusieurs modules différents, c'est-à-dire celui-ci, c'est un vidéoprojecteur, donc un picoprojecteur, qui peut donner une image jusqu'à 70 pouces avec pas mal de recul, mais et là évidemment beaucoup d'obscurité parce qu'il n'est pas forcément assez puissant, mais ça fonctionne plutôt bien. Et il y a un autre mode qui est une enceinte en fait, qu'on vient de voir là, qui permet d'avoir, au lieu d'avoir un dock, on clipse ça JBL, derrière. Hein, en plus. C'est du JBL. Là on voit le picoprojecteur. Hein, exactement. Sébastien. C'est vraiment très sympa pour regarder un film en mobilité, dans sa chambre d'hôtel, on ne sait pas. Voilà. Tout à fait. Il y a quelques semaines de cela. Et donc, il sort ce téléphone. Il sort, il est disponible. Alors c'est intéressant parce que quand il n'y a pas de mode au dos de l'appareil, c'est vraiment un appareil très fin, c'est-à-dire il fait 0,5 cm. C'est l'un des plus fins. C'est l'un des plus fins. Il est incroyablement fin. En revanche, il y a quand même le capteur photo qui sort beaucoup. Donc ça vraiment c'est impossible de faire autrement maintenant sur des smartphones aussi fins. Et puis c'est un modèle haut de gamme, écran AMOLED 5,5 pouces et un petit souci au niveau de l'autonomie, c'est pas incroyable par rapport à d'autres tablettes comme on dit. C'est 7-8 heures d'autonomie, donc c'est juste ce qu'il faut. Voilà, c'est un petit bémol par rapport à ça. À part ça, super interface, Android assez pur comme chez Moto en général, sur couche très légère. Vraiment un appareil très sympathique. Par exemple, les modes ont leur propre batterie. Les modes ont leur propre batterie. Dans le Vidéo Pro, j'ai une batterie de 1100 mAh. Donc, en plus, tu ne vas pas tirer sur la batterie. Exactement. Du smartphone. Et on peut la recharger séparément, donc ça ne va pas. Il y a une batterie aussi supplémentaire dans l'enceinte. Tout à fait. JBL. Voilà, ça permet de ne pas aller pomper dans la batterie du smartphone qui est un peu légère justement. Ça, c'est pour le Moto Z, donc. Et on enchaîne avec un autre téléphone. Alors là, un petit peu plus rigolo. Alors ça, c'est un ovni que Jérôme nous a... Oui, tout à fait. C'est moi qui vous ai déniché ça. Déniché ça, exactement. Il est allé en Chine exprès, en un week-end. Pas du tout, pas en Chine, parce que c'est un smartphone, entre guillemets, français. Un smartphone français. Alors, pour info, il y a un logo avec des inscriptions chinoises derrière. Fabriqué à Aurillac, c'est ça. Oui, oui. C'est comme Wiko, en fait. C'est ça. Et ce qui est original, quand même, c'est qu'il a un écran 3D. Exactement, 3D, c'est ça sans la spécificité. Lunettes. Donc ça veut dire qu'on peut regarder un film en 3D sans avoir de lunettes, simplement en regardant l'écran habituellement. D'accord. Alors voilà la théorie. La pratique. J'adore. Ça, c'est la théorie. Voilà. Maintenant, au bout d'un moment, il va vous dire quand même que c'est une supercherie. Non, ça fonctionne à condition de ne pas bouger d'un millimètre. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir un petit tremblement au niveau des mains ou qu'on va un petit peu bouger, c'est horrible en fait. Au bout de 5 minutes, on a mal à la tête. C'est assez terrible. Et alors, on pourrait se dire, bon, à part ça, peut-être qu'on peut l'utiliser sans 3D. Mais en fait, pas vraiment, parce que l'écran, il y a une espèce de phénomène bizarre quand on le bouge un peu de haut en bas, de droite à gauche. Oui, de polarisation, c'est ça. Ça clignote. Enfin, c'est comme les petits autocollants dans les céréales. Ouais, oui, c'est exactement ça. Exactement. Mais en fait, c'est un truc qu'on pourrait retrouver dans les céréales peut-être un jour. Non ? Oui.
Je ne mangerai pas les céréales. Hein. Non, mais bien emballé, tout ça, tu vois, ça va être sympa. Pourquoi pas ? Bon, Jérôme, toi, tu l'as testé, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, moi, je ne serais pas aussi radical sur, sur l'effet 3D. Je trouve que c'est pas si. Moi, ça me fait pas mal à la tête. Mais après, c'est vrai que c'est très subjectif. Moi, la réalité virtuelle, l'Oculus, ne me rend pas malade, alors que toi, tu avais vomi. Enfin, c'était affreux. Dessus, quoi. Oui, c'était terrible. C'est vrai. Donc voilà, c'est une question de constitution. Il faut préciser que l'effet 3D fonctionne aussi en dual machin. C'est-à-dire que si on met dans un masque de réalité virtuelle, il y a certains contenus qui sont aussi 3D et immersifs. Ouais, ouais. Donc ça rajoute encore de l'effet. On peut facilement, avec un glissement de doigts, séparer l'écran en deux, justement. Ouais, et puis on peut faire ses propres photos et ses propres vidéos en 3D aussi. D'accord. Mais ça, j'avais pas testé justement. Nous, on a testé. Et donc ça, c'est déjà trop mal à la tête. Il voulait plus. Au bout d'un moment. Et non, ça, c'est plutôt mais amusant. On peut le trouver dans le commerce ça existe pas. Bah, on le trouve sur le site. Hein, la marque, c'est. C'est Nouvel Espace Display. Nouvel Espace Display. Voilà, c'est ça. C'est sympa comme nom. Ils avaient déjà fait une tablette. Oui, Nouvel Espace Display. Ils avaient déjà fait une tablette et ils ont sorti le smartphone. Bon. Pour sans doute le public de niche, effectivement, qui peut malgré tout être intéressé mais par ce type de produit. C'est peut-être plus un public professionnel derrière ça aussi, non ? Peut-être, oui, même si bon, le discours, c'est de dire que ça peut satisfaire les jeunes, etc. Parce qu'il n'est pas donné, je crois. Il coûte 500 euros. Il coûte 500 euros. Ouais. Ah ouais. Et on a testé l'autonomie qui n'est pas incroyable. Ouais, on ne peut pas le mettre dans un paquet de céréales tout de suite. Non, C'est 5h50 en utilisation polyvalente. Bon, d'accord. En général, c'est plutôt autour de 8h minimum, on va dire. Donc, c'est un petit peu en dessous de ce qui se fait. Bon, et bien voilà, pour ces deux petites nouveautés signées Jean-Sébastien Zanqui. Merci beaucoup à Raphaël Grabi aussi. Merci Raphaël. Un dernier petit tour du côté de la question 01net Orange. Est-ce que ça a évolué, tiens ? Écoute, non, pas vraiment. Pas énormément. On est toujours à peu près à un internaute sur deux qui est prêt à acheter une voiture électrique tout de suite. C'est quand même assez serré, je trouve. Et un sur deux qui n'est pas tenté pour les questions qu'on évoquait tout à l'heure. Même si l'autonomie s'améliore, les limites en termes d'autonomie, le prix, etc. Voilà, et puis pour tous ceux qui font énormément de route, bien sûr, ça n'a pas de sens, le véhicule électrique. Mais en revanche, pour une petite citadine en urbain, vraiment, ça a du sens. Et puis c'est l'avenir, on le voit bien. Hein. Bien sûr. Merci, messieurs. Ce Zéro en Live Hebdo n'est pas terminé. Un petit générique et après, on revient pour découvrir les trophées de la voiture connectée de l'année 01net, Jérôme. Et là, ça, c'est du lourd. À tout de suite. Voilà, nous sommes toujours au Mondial de l'Auto. Il est 18h30, passé de quelques minutes, 34 exactement. Et jusqu'à 19h, on attaque notre deuxième partie depuis le stand Coyote ici pour découvrir, Jérôme, les trophées de la voiture connectée. Tadam ! Et nous retrouvons pour l'occasion Delphine Sabatier de la rédaction de 01net.com. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Et Pauline Ducamp. Bonsoir. Bonjour. Messieurs, merci de m'accueillir. Pauline qui travaille donc à la BFM rédaction TV. De BFMTV.com. Tout à fait. Voilà, et spécialiste auto. Et à cette occasion, on va s'intéresser donc à ce trophée. C'est la troisième année que 01net sort son trophée de la voiture connectée. Delphine, comment vous est venue cette idée en fait ? Pourquoi avoir un trophée de la voiture connectée ? Alors, c'est vrai qu'au début, tout ça semblait un petit peu gadget, là, les moyens de connecter son smartphone à sa voiture. Et puis, petit à petit, on a vu arriver des choses de plus en plus intéressantes, des vraies innovations, des technologies dans les voitures, et on s'est dit là il faut qu'on fasse le tri, il faut qu'on joue aussi notre rôle. 01net.com, c'est un rôle de guide, d'aide à l'achat, et on a ce rôle là aussi à jouer maintenant dans l'automobile. On a des voitures exceptionnelles qui sont arrivées, comme par exemple je pense à la Tesla qui est la plus spectaculaire. Qu'est-ce que ça vaut, est-ce que ces systèmes autonomes sont fiables? Et donc maintenant, on se spécialise, je dirais depuis 3 ans, dans ce test aussi de voitures intelligentes. Et on a ce prix qu'on remet depuis 3 ans, c'est la 3e édition. C'est la 2e fois qu'on le fait sur le Mondial à Paris, puisqu'il n'a pas lieu tous les ans ici à Paris. Et cette année, on a une nouveauté, on a Pauline Ducamp qui est avec nous, qui a rejoint non seulement la rédaction de BFMTV.com en tant que spécialiste auto et Top Gear France, hein, c'est la rubrique Top Gear France sur BFMTV.com. Et qui a rejoint aussi le jury. Que dans le groupe, il y a RMC Découverte qui diffuse
Top Gear, bien sûr, version anglaise, américaine, mais aussi la version française. Il y a l'exclusivité, exactement. Et Pauline a rejoint également notre jury cette année, jury qui va désigner la voiture connectée de l'année, mais aussi le luxe high-tech et le coup de cœur du jury. Voilà, bon, Pauline, est-ce que tu as autant mal aux pieds que Delphine? Parce que depuis tout à l'heure, elle nous dit que ça, qu'elle a mal aux pieds, qu'elle a mal aux pieds. Je ne vais pas vous montrer, mais j'ai joué la carte de la chaussure plate. Bonne idée. Vaut mieux. Nous, on n'est pas venus en talons cette semaine. Et Pauline, alors, tes premières impressions là, sur ce mondial qu'on découvre, nous, aux journées presse et qui n'est pas encore ouvert au public? Donc déjà, je n'ai pas mal aux pieds, donc tout va bien, je veux rassurer tout le monde. Super. Et malgré tous les kilomètres que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est vrai que c'est un salon qui était assez surprenant. Surprenant parce que finalement, c'est un mondial de l'automobile. Et un mondial de l'automobile, on a beaucoup parlé d'électrique. Alors je sais bien qu'au début du XXe siècle, au début de l'histoire de l'auto, il y avait déjà des électriques. On les a un petit peu oubliées. Et puis là, aujourd'hui, elles sont revenues en force avec le concept Volkswagen à 600 km d'autonomie. Tesla, dont tu parlais à l'instant, Delphine, qui est présent avec un stand avec la Model X, donc ce SUV avec... Un stand qui a pris énormément d'ampleur cette année. Hein. Exactement, qui a beaucoup grandi et qui du coup symbolise un petit peu cette démocratisation de l'électrique malgré les prix élevés de Tesla. On a aussi Mercedes avec un concept électrique, on a la Zoé qui s'est beaucoup aussi, qui a une autonomie beaucoup plus grande. Et puis on avait de l'autre côté des très beaux véhicules, mais surtout des très beaux concepts avec le Renault Trésor qui est un magnifique concept de GT. Qu'on a vu tout à l'heure, magnifique. Magnifique, très très beau. Avec deux places, une face avant qui se soulève pour laisser rentrer les passagers. Il y a un petit côté Batman, je trouve, dans cette voiture. Exactement, oui, tout à fait. Elle est vraiment très belle. Et ce qui est très sympa, c'est que chez Mercedes, on trouve un peu son pendant, la Mercedes Maybach Vision 6, qui, pareil, elle est aussi très élancée, 6 mètres de long, rouge, très basse, où on a tout de suite envie de s'asseoir au volant et de partir dans les allées du salon. Bon, je vous rassure, on ne l'a pas fait, hein, mais même si l'envie était très forte. Et donc, il y avait un peu ces deux pendants, et puis aussi de l'autonomie, puisque chez Volkswagen, on a beaucoup parlé... 13e marque, une marque dédiée à la mobilité, chez PSA, que ce soit chez Peugeot ou chez Citroën aussi. Donc il y avait vraiment une révolution qui se passe dans l'automobile et on la sent sur ce salon. Alors le prix cette année, vous allez voir, il est vraiment placé sous un signe un peu particulier qui est sur l'évolutivité des voitures. C'est-à-dire que ce sont des voitures, puisqu'elles sont connectées, eh bien, qu'on peut faire évoluer à distance et plus forcément chez son garagiste. Donc voilà, les prix... Tendance initiée par Tesla. Hein, ça, ces voitures évolutives qui arrivent en France, c'est très nouveau. Alors, on a trois prix qu'on va remettre en direct, les amis. Là, on va vivre un grand moment. Jérôme, tu es prêt? Je suis ému. Tu es ému, moi aussi. Trois prix que tu vas nous décrire, en fait. Voilà, alors on a un prix Luxe High Tech. Donc là, on a désigné ce qui nous symbolise pour nous vraiment une voiture ultra luxueuse et qui embarque le meilleur des technologies mais à un prix absolument inabordable. D'accord, on va le découvrir dans un instant, juste après. Ensuite, on a un prix coup de cœur. Bah, là, je dirais que c'est un modèle qui a attiré notre attention mais qui n'est pas forcément finalisé, sur lequel on n'a pas forcément toutes les informations et donc on ne peut pas se prononcer pour dire que c'est véritablement la voiture connectée. Mais ça sent bon. Ça sent très, très intéressant. Et puis enfin, le prix de la voiture de l'année. Voilà, qui est le grand prix de la voiture connectée de l'année, qui doit être une voiture. Alors vraiment, on a des critères fixes, je dirais, depuis 4 ans au sein du jury. Ça doit être une voiture abordable, que disons une voiture familiale, d'accord, que la plus grande partie des gens puissent s'offrir. Delphine, sur des véhicules qui sont déjà sortis ou qui vont sortir, qui ont été annoncés. Ce sont des nouveautés. C'est vraiment nouveautés, ça, c'est important. Hein. C'est voilà, les nouveautés du salon. Alors, ce sont des voitures qui doivent assurer de la sécurité, de l'aide à la conduite, du confort, du loisir multimédia et aussi une communication, des interfaces avec la voiture qui soit agréable et bien faite. Pauline, bienvenue dans ce jury. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va découvrir donc maintenant le premier prix de cette voiture connectée. En tout cas, c'est celui de la voiture de luxe connectée. Et c'est avec David Noguera et le regagnant. On y va, messieurs. C'est parti. Donc, David Noguera nous rejoint. David Noguera, Pauline, donc, merci. Qui est le spécialiste auto live de 01net.com. Donc, le directeur général de Tesla France, puisque c'est une Tesla exactement que vous avez sélectionnée comme tout étant à fait la voiture de luxe bonsoir connectée. Exact. David, je te laisse remettre le prix. Allez. En fait, je vais passer. Je risque de passer alors, un peu devant les caméras. De Tesla en France, Charles Deleville. Non, il faut prendre le micro, ça sera mieux. C'est Olivier Ledel, en fait. Ah ben voilà, merci pour le piège, c'est sympa. Petit piège, merci. Je vous le remets. Merci pour ce prix. Félicitations. Merci bien. Donc, alors, cette Tesla Model X, ce qui nous a frappé, nous, bon, d'abord, elle est absolument spectaculaire. Et ce qui nous a frappé, c'est que le stand a été multiplié par 2 ou 3 par rapport à l'année dernière. Le stand a beaucoup grossi, effectivement. Notre volonté, c'était bien évidemment d'être présent, de ne pas louper cet événement incontournable. Nous avions déjà eu un très beau mondial il y a 2 ans.
la gamme s'élargit. Le modèle X a vu ses premières livraisons débuter cet été. Donc nous avons aujourd'hui deux modèles dans la gamme, un stand qui témoigne aussi de nos ambitions et de notre développement. Donc voilà, très heureux d'être cette année encore au Mondial et présent au Hall 1. David, pourquoi on a choisi ce luxe high-tech ? Alors, tous ceux qui suivent 01net.com ont forcément déjà vu la vidéo qu'on a pu préparer, enfin qu'on a pu faire un peu en exclu sur Model X. Et c'est vrai que cette voiture, elle est globalement assez magique. Alors, il y a déjà ces portes Falcon Wings qui sont inédites, en fait. Hein, ces portes avec double charnière à l'arrière qui s'ouvrent, qui déjà, en fait, s'ouvrent sur un habitacle intégralement électronique, puisque l'écran qui est au centre, on le connaissait déjà sur Model S, ce grand écran 17 pouces, mais tout est à piloter de manière électronique. Les sièges qui se rabattent quand on veut accéder au troisième rang, puisque c'est un SUV 7 places. Donc vraiment, tout est futuriste en fait dans cette Tesla. Je crois qu'en fait, ces portes ont été inventées justement pour donner accès plus facilement aux places arrière. Exactement. Etc. Alors au-delà du côté spectaculaire et esthétique, ces portes, elles permettent vraiment de donner le maximum d'accessibilité au deuxième et troisième rang. Chaque siège est monté sur un pivot indépendant. Il faut une place de stationnement pas trop étroite quand même. Hein. Alors justement, l'ouverture est assez verticale finalement. Ouais. Alors, en fait, la porte module. Des capteurs dans chacune des portes, 6. Pour être tout à fait exact, qui vont analyser l'environnement autour du véhicule. La porte peut s'ouvrir dans un débattement de 30 cm latéralement, peut s'ouvrir jusqu'à 2,20 m en hauteur, mais peut s'arrêter avant si elle détecte bien évidemment des objets. 30 cm avec une voiture classique, on ne sort pas. Non. On ne sort pas d'une voiture, on n'a que 30 cm pour ouvrir la porte. Il faut vraiment rentrer donc, la voiture module, ça prend moins de place. Après, il y a cette hauteur de porte qui fait que. Mais encore une fois, avec ces 6 capteurs qui sont dans le panneau, on ne les voit pas, elle peut s'arrêter avant et du coup, pas taper le d'où l'appellation en fait Falcon, on a gardé cette appellation. La porte a une double cinématique et s'adapte en permanence à son environnement, donc ne s'ouvre jamais entre guillemets de la même manière. Exactement. Et ça fonctionne bien. Alors bon, ce véhicule, on le dit, c'est du luxe, ça coûte cher, hein, c'est combien ? Ça commence à 70 000, c'est ça ? Moi j'ai quand même bien envie. Non, c'est 80 700. À partir de 80 700 euros. Avec le bonus écologique de 6 300 euros. Et c'est déduit. Déduit. D'accord. Déduit. Donc on va dire 87 000 euros pour une Model X P60D. Et forcément, on peut faire x2 quand on aime les jolies choses et les belles options. Parce que Tesla, c'est vrai qu'on la connaît surtout quand on voyait Model S. On se dit, c'est cette voiture avec ce grand écran, cette voiture un peu de geek. Et pour avoir eu les dernières générations de Model S et pour avoir eu Model X, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur l'aspect automobile de la voiture. Le confort des sièges, les finitions de la planche de bord, etc. Ça a quand même bien aujourd'hui, évolué. Aujourd'hui, Tesla joue dans la cour des grands avec les premiums allemands, par exemple, qu'on met toujours en tête de liste. Alors, à prix équivalent, ça va être compliqué. Parce que ce qui coûte cher quand même sur Model X, c'est aussi ce gros pack de batterie. On est quand même sur des grosses autonomies. DP60D, on est au-delà de 300 quelque chose kilomètres. Sur le Model X, 355 km d'autonomie. D'accord. Avec la dernière batterie que nous avons lancée dernièrement et qui est dit... exposé, le modèle P100D est exposé au Mondial. Vous avez une autonomie qui va jusqu'à 542 km sur Model X et 613 km sur la Model S. C'est un record, non ? Il y a des voitures qui font plus que ça au Mondial, lors du Mondial ? Il y a des voitures qui font plus que ça, non. Pas sur cette... encore moins sur ce gabarit de véhicule, en fait. Ouais. C'est vraiment une autonomie Et puis faut surtout rappeler inégalée. Enfin, là, on est sur des performances. Alors, cette voiture, on l'a eue, donc on a fait un petit sujet. Elle est très agréable à conduire, donc du coup, on n'a pas spécialement envie d'aller vite. Mais dès qu'on y a goûté un petit peu aussi, on a aussi envie de se faire plaisir, parce que ça pousse très, très fort. Bon, moi, les amis, j'attends quand même le futur, parce que là, on est dans des véhicules qui coûtent très, très cher. Mais il y a la Model 3 qui va commencer à pointer le bout de son nez, où là, on aura des tarifs qui seront beaucoup plus accessibles. Alors, Model 3 entrée en production fin 2017. Arrivé courant 2018, nous annonçons des tarifs voisins des 35 000 $. Nous n'avons pas encore les tarifs européens avant les éventuelles aides ou bonus écologiques. Donc un véhicule plus accessible par définition. Quand vous regardez néanmoins Model S et Model X, les tarifs sont cohérents par rapport au segment dans lequel nous sommes en concurrence. Et après, vous avez tout l'écosystème lié à l'acquisition d'un véhicule électrique et toutes les économies que vous allez pouvoir générer. L'accès aux superchargeurs aussi, qui sont présents un peu partout en France maintenant. Il y a un chiffre qui est très... 41 stations aujourd'hui. Qui traduit juste l'attente qu'il y a autour de ce véhicule. C'est les précommandes. Je ne sais pas à combien on en est aujourd'hui. Mais enfin, on a avoisiné les centaines de milliers de précommandes dans la semaine qui a suivi. Pour le Model 3. Pour le Model 3. Alors que c'est quelque chose que les gens n'ont même pas encore vu. Mais d'ailleurs, c'est intéressant la réflexion d'Elon Musk
Musk qui dit, ben voilà, on a commencé par le très haut de gamme et petit à petit, on descend en gamme pour avoir peut-être demain des voitures électriques à des prix vraiment défiant toute concurrence. Et ça va commencer, on va dire, avec le Model 3 qui restera quand même à 30 000 euros, peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, bon. C'était vraiment notre volonté, en tout cas, c'était vraiment la stratégie d'attaquer par le haut de gamme, de démontrer que le véhicule électrique pouvait supplanter un véhicule thermique, Model S, Model X et Model 3. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Merci. Bravo. Félicitations. Pour merci ce beaucoup. Trophée de la voiture forcément, connectée. Forcément, on n'a pas Lux abordé, la partie Lux High Tech. Il y a plein de critères qui font qu'on fixe ce prix. Et évidemment, l'aspect sécurité et conduite, délégation. Franchement, c'est un conduite. Peu notre voiture coup de cœur aussi. C'est un peu aussi pour ça. Parce qu'à zéro net, on adore ça. L'évolution de la voiture. Exactement. Avec des firmwares qui évoluent. Sur le stand, qu'on a une voiture qui ne vieillit pas, finalement. Absolument, pas d'obsolescence. Et sur le stand, vous avez la nouvelle version logicielle 8.0 qui est disponible sur tous nos modèles exposés. Olivier, David, merci. On va switcher et on va maintenant s'intéresser à un autre prix. Je vous invite à rejoindre le studio juste à côté. Et on va enchaîner, Delphine, avec un autre prix. Le prix coup de cœur. On le disait, c'est un véhicule qui n'est pas encore disponible. Exactement. Qui va bientôt arriver, mais qui a tapé dans l'œil de la rédaction de 01net. Voilà, qui donne vraiment envie. Il y a beaucoup de monde sur le stand. Et c'est Guillaume Crunel, qui est membre du jury également, associé, responsable de l'industrie automobile chez Deloitte, qui va remettre ce prix. Bonsoir à tous les deux. Éric Vépierre, qui est président de General Motors France, pour donc le prix coup de cœur du jury sur l'Opel Ampera i. Voilà, et on va vous le remettre, bravo. La voiture coup de cœur de cette année 2016 pour la rédaction de 01net. Alors, Guillaume, pourquoi, tu veux nous dire un petit peu ce qui nous a motivés? Ah oui, quelques petits mots. Alors, il y a deux éléments particuliers qui nous ont généré ce coup de cœur. La première, c'est la performance technologique autour de la mobilité électrique. Une barrière assez symbolique des 500 km qui est passée, c'est quelque chose très important pour le décollage de cette mobilité-là. Et puis, c'est aussi le bouquet de services qu'il y a autour du véhicule connecté, pas simplement de la technologie, mais la capacité à aller disposer d'autres services, d'avoir une conciergerie, de pouvoir faire plus tard du car sharing, de faire un certain nombre de choses au-delà de la simple technologie, vers les usages et vers quelque chose de transformant. Donc on a aimé ça et c'est pour ça qu'on a eu ce coup de cœur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un record et puis des nouveaux services qui arrivent, dont le diagnostic dont je parlais, qui est intéressant d'avoir un diagnostic à distance de sa voiture. Comment ça fonctionne ? Alors, tout d'abord, un grand merci. Je suis vraiment très fier, en tout cas, de recevoir ce prix. Pour nous, la connectivité, c'est important. C'est une des valeurs, des quatre valeurs de la marque. Donc, on est fier de pouvoir aujourd'hui, avoir ce prix qui reconnaît, ce niveau en termes de connectivité. Donc, par rapport à comment ça fonctionne, OnStar, juste pour vous donner le service, le bouquet, c'est déjà 20 ans d'expérience, puisqu'on l'a lancé aux États-Unis il y a déjà 20 ans. On a 7 millions aujourd'hui d'abonnés au niveau de la connectivité. Et c'est une application ? Alors voilà, c'est une application, c'est un bouquet de services. On l'a lancé en Europe. Vous avez bien sûr les services d'urgence. Vous avez aussi les diagnostics du véhicule. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir la connexion directement via votre smartphone, donc un contrôle direct sur le véhicule. Par exemple, pour pouvoir programmer votre navigation directement de votre smartphone, de pouvoir ouvrir les portes du véhicule. Donc beaucoup d'applications et bientôt aussi un hotspot Wi-Fi. Un hotspot Wi-Fi dans la voiture, avec de la 4G, bien évidemment. De la 4G, donc, parce que ces véhicules sont connectés maintenant, forcément. Elles sont totalement connectées. Et encore une fois, on est en train d'ouvrir les champs des possibles. Mais on a déjà aujourd'hui énormément de services qu'on peut proposer à des clients. Et pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir démocratiser l'innovation et la connectivité. Pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on a lancé ça maintenant depuis la fin de l'année dernière, on a un véhicule sur deux qui est aujourd'hui connecté avec OnStar et on offre la première année d'abonnement. Donc vous voyez, c'est vraiment rendre la technologie, disponible pour tous. Démocratiser, on a des prix déjà ? Non, on n'a pas encore de prix. Alors là, OnStar, c'est sur tous nos véhicules. La bonne nouvelle, et c'est ce qui est important pour nous, c'est la nouvelle, de ce salon, c'est l'Ampera i. Et là, on arrive, pas sur la connectivité, mais sur l'électromobilité. Et on pense qu'on a vraiment un game changer. Pour vous dire, c'est 500 km d'autonomie. Donc on a, par rapport à nos concurrents, au moins 100 km de plus. On a fait aujourd'hui
on va dire un test en temps réel. Enfin, la Tesla fait plus, hein, si je puis me permettre. Oui, mais peut-être pas dans les mêmes niveaux. On de tarifs dire, de tarifs. Oui, voilà. Ah, vous nous les communiquez pas, les tarifs, c'est ça le souci. Oui, mais il faut garder sur le, une chose à la fois. D'accord. Une chose à la fois. Mais vous pouvez aujourd'hui, avec ce véhicule, et ça a été fait en temps réel et dans des conditions réelles, d'aller de Londres à Paris, puisque c'est ce qui s'est fait, ce qui a été montré dans la conférence de presse. Donc réellement d'avoir cassé, on va dire, ce problème d'anxiété, on va dire, vis-à-vis de l'autonomie. Mais au-delà de ça, c'est pas simplement le côté, on va dire, technologique. C'est aussi la voiture, elle a beaucoup d'autres choses. On a parlé de la connectivité avec OnStar, mais c'est aussi une vraie véhicule, une vraie voiture. C'est une 5 places. Mmh. Il y a un grand coffre, vous avez beaucoup d'habitabilité. Mais au-delà de ça, c'est aussi beaucoup de fun, puisque pour vous donner deux chiffres, vous allez vite le comprendre, elle a quand même 204 chevaux et vous faites de 0 à 50 km/h en 3,2 secondes. Donc, on est vraiment dans la performance et aussi de 0 à 50 km/h ou 100 km/h ? 50 km/h. De 0 à 50 km/h, 3,2 secondes. Donc, c'est pas énorme, non ? C'est beaucoup. Important, j'arrive pas à me rendre compte. Pour vous dire, on a fait un. Parce que moi, je suis en fusée, donc c'est pour ça que je vais beaucoup plus vite. Ouais. C'est pour on ça. A montré une vidéo. C'est parce que c'est une citadine aussi que c'est beaucoup. Oui, c'est-à-dire je crois que c'est une petite voiture, d'accord. Parce que la Tesla va plus vite encore jusqu'à 100 km/h. Alors, je ne sais pas sur les 100, puisqu'on fait de 0 à 50, mais on s'est amusé à voir une course sur toutes nos voitures sportives. C'est plus pratique, ouais. Sur toutes nos voitures sportives. donc, on les a toutes mis, hein, les OPC, toutes nos voitures sportives de la gamme Opel. On avait l'Ampera i, elle l'a gagné haut la main. Très bien. Mais on a hâte de connaître le prix malgré tout. Voilà. Mais je reviendrai. Et puis on a hâte de savoir quand est-ce qu'elle va. Et on a hâte de savoir aussi quand est-ce qu'elle va sortir, cette voiture. Alors, oui, ça par contre, c'est. Ah, ça vous avez voulu nous dire. Je peux vous le dire puisque ça a été annoncé. Oui. C'est bien pour vous dire que ce n'est pas pour dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Non. C'est bien demain puisque la commercialisation se fera au printemps de l'année prochaine. D'accord. Guillaume Crunel, pour conclure, on voit que tous les constructeurs se battent sur l'autonomie des véhicules aujourd'hui. C'est ça qui fera que la véhicule électrique se démocratisera. Je pense qu'il y a un terme qui a été dit qui est vrai, c'est qu'il y a une anxiété par rapport à la limitation du kilométrage qu'on peut faire avec ce véhicule. Quand on arrive aux alentours de 500 km, c'est quelque part le kilométrage qu'on fait normalement avec une citadine thermique. Donc voilà, on revient dans une zone de confort. On a probablement besoin de moins tous les jours, mais quand on est similaire à ce que fait une thermique, eh ben on va bien. Donc on y croit. Psychologiquement, c'est important. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Voilà. Félicitations. Il nous reste encore un prix à remettre, Delphine. Eh oui. Mais le prix. Messieurs, je vous invite à rejoindre vos camarades là-bas. Et on va enchaîner maintenant avec Jean-Luc Moreau qui va nous rejoindre. Et le regagnant de ce trophée, puisque, le prix de la voiture connectée de l'année. On va le remettre avec Jean-Luc, qui est là. On va maintenant donc découvrir le prix de la voiture de l'année 01net. Ah, on va faire durer quelques secondes de suspense. Jean-Luc, ça a été compliqué de décerner ce prix de la voiture de l'année à un constructeur. On s'est battu quand même pendant plusieurs heures. Alors moi, j'adore me battre avec Delphine. Moi aussi, j'adore. Surtout, c'était dans la boue. C'était très ça sympa. Fait 3 ans la prochaine, que on vous mettra les images. Et ça, on vous verrez que les délibérations du jury, ça vaut quelque dans chose. Dans la boue. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. On avait déjà quand même une bonne idée avant de venir au Mondial du véhicule qu'on pourrait récompenser. Ah. Moi, la 3008. Oh, je l'ai dit. Trop tard. Et ben voilà. Enfin, la voiture X, je l'avais vue. Ouais. Je la trouvais plutôt pas mal. Et ça a conforté notre jugement quand nous sommes arrivés ce matin. On était là à 4h30, hein, donc on était très tôt. Donc ça n'a ouvert qu'à 6h30. Tu as des petits yeux, c'est pour ça. Donc on est arrivé très tôt. Et c'est vrai que ça fait plaisir de se dire que les Français peuvent être au top. Alors vous voyez, deuxième révélation, hein. C'est une voiture deuxième française. Indice. Bon. Deuxième indice, c'est une voiture française. Ça commence par on a déjà deux indices. Français. Voilà, deux indices. 2008 français. Mais qu'est-ce que ça peut dire? Mais quel est le constructeur? On a dit que c'était un constructeur français, voilà. Donc c'est PSA, on peut le dire. Et c'est PSA, et c'est Peugeot même, on peut le dire, puisque le Peugeot 3008. Et la voici, vous la découvrez. Et voilà. Oui. Voilà, alors très jolie voiture, mais c'est pas le design qu'on a récompensé. La voiture hein. connectée de l'année. On a récompensé évidemment les technologies intérieures et puis surtout, ce qui nous a plu, c'est là aussi, c'est la voiture évolutive et une nouvelle solution de mobilité qui est proposée. Alors on peut penser que c'est un petit gadget, mais c'est intéressant de voir que la voiture, ça se prolonge aussi jusqu'au dernier kilomètre. Pourquoi pas en trottinette électrique? Alors d'abord, je veux vous remercier.
parce que... Bah écoutez, c'est... avant de nous remercier, on va vous le remettre ce trophée parce que pour l'instant, absolument, vous l'aviez pas. Merci infiniment et félicitations. Merci beaucoup. Il faut que je vous dise que c'est le premier prix que reçoit la 3008. On lui en souhaite. J'espère que ça augure de nombreux prix, mais c'est le premier prix que la voiture reçoit, donc on est extrêmement fiers de ça. Donc effectivement, sur cette voiture, on a ce qu'on appelle un objet du dernier kilomètre. Donc en l'occurrence, il y en a deux. Il y a une trottinette, d'une part, qui vous permet, vous arrivez dans un parking parisien et puis finalement, vous devez aller à un ou deux kilomètres. Paf, vous prenez votre trottinette, elle est dans le coffre. Pour que je comprenne bien, je vous coupe, excusez-moi, mais vous vendez la trottinette avec la voiture ? Alors c'est possible. C'est une option. Hein. C'est possible. C'est une option. Ouais. C'est une option. Donc vous pouvez aller en concession, vous dites voilà, j'ai besoin d'un objet du dernier kilomètre. Ah bah tiens, voilà, prenez la trottinette. Vous avez une station d'accueil dans la voiture. Trottinette électrique. Dans le coffre, électrique, bien sûr, pardon. Vous pouvez la brancher. Dans la voie. Et donc elle se recharge pendant que vous roulez. Vous arrivez à destination, vous la débranchez, vous la dépliez. C'est extrêmement facile. Et paf, voilà, vous rendez à votre rendez-vous. Et au lieu de mettre un quart d'heure, 20 minutes à pied, ben vous mettez 4-5 minutes. Pas mal, c'est génial. C'est génial, ça. Ah, voilà. Cette combinaison, en fait, de deux moyens de locomotion. Ouais, ouais. Et c'est Jean-Luc, Delphine, c'est ça qui vous a... Le petit truc qui vous a pas fait craquer ou pas ? Parce qu'on trouve que c'est une excellente idée. C'est une projection sur le transport demain. Mais sans doute que ça peut être encore perfectionné. Ce qui nous oui, a évidemment, il vraiment... y a peu de gens quand même qui feront plus de kilomètres avec la trottinette qu'avec la 3008, on imagine. Oui, mais pour les derniers kilomètres, ça fait plus. D'autant que PSA a présenté hier sa nouvelle marque de mobilité, hein, Free to Move, c'est ça ? Free to Move, ouais. Avec des solutions de mobilité. Alors qu'est-ce que c'est ? Mais c'est solutions de mobilité, c'est l'automobile, c'est prolongement. J'essaye de faire simple. Mm-hmm. Genre, on doit faire un parcours d'un point A à un point B, et puis il se trouve que manque de peau, les voies sur berge sont fermées à la circulation pendant une partie du parcours. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la réalité. Hein. Toute ressemblance. Non, parce que mais vous allez voir, ça serait de la science-fiction que de fermer les voies sur berge. Voilà, ça serait complètement dingue. Alors, ça va être on ne sait jamais, bien. Peut-être on que ira flâner un jour, l'été. On ira faire la trottinette électrique. Le maire de cette capitale européenne sera frappé par la foudre et prendra une décision ridicule comme celle-là. Jean-Luc, tu t'égares. Et le véhicule, là, vous dit, dans la programmation du trajet, du point A' au point B, je vous propose une solution alternative. Là, on peut l'embarquer dans la voiture, c'est ce qui est intéressant, mais il y aura d'autres solutions qui seront proposées. Il y a vraiment une démocratisation du meilleur des technologies qu'on a vues jusqu'ici, qui devient accessible. Voilà, une Peugeot 3008 propose aujourd'hui l'ensemble des technologies. Oui, alors évidemment, il y a la sécurité. Et ce qui est bien, c'est que Peugeot a mis en place aussi un système virtuel, parce que tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir tester les aides à la conduite dans la réalité, même les journalistes. On ne va pas aller s'amuser à écraser une vache pour voir si ça freine tout seul, par exemple. Comme je sais que vous êtes un amateur de côte de bœuf, moi je me méfierais quand même. Enfin, les vaches sur les quais, il n'y en a pas beaucoup. Bah oui, mais il y en aura peut-être maintenant qu'il y a de la place. C'est vrai. Alors, on ne peut pas forcément tester ces solutions. Et là, c'est un cockpit virtuel, absolument, en fait, absolument. C'est ça, hein, que vous aurez dans les concessions et ça permet de tester absolument. Tout ça. Voilà, donc vous arrivez en concession et vous avez des Samsung Gear, donc des Oculus Rift, qui vous permettent de vivre les expériences d'aide à la conduite. Alors, par exemple, effectivement, un freinage d'urgence face à un piéton. Il vaut mieux pas essayer dans la vraie vie. Là, vous voyez ce qui se passe dans la voiture et vous voyez le freinage d'urgence et la voiture qui s'arrête à 50 cm. Oui, c'est-à-dire que vous allez devoir apprendre aux gens à conduire ces véhicules autonomes. Oui, il faut effectivement. Donc, ces petites vidéos en 3D, ce qu'elles permettent, c'est aux gens de comprendre le moment où ils se trouveront vraiment dans la situation. Mm-hmm. Ça arrivera, parce que ça peut arriver. Eh bien, ils auront déjà vécu quelque part la situation. Donc, ce sera encore. Leur ressenti sera facilité. Ouais, ils le vivront mieux que si tout d'un coup, c'est surprenant, la voiture se met à freiner toute seule, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ils auront déjà vécu cette expérience. C'est très important en termes d'apprentissage de passer par cette étape. Et ce qui nous a intéressé aussi dans la démarche de Peugeot là, cette année, c'est que ce n'est pas toute la technologie juste pour en mettre plein la vue. C'est aussi vraiment pensé pour l'utilisateur. Il y a notamment un accès qui ressemble un peu à des touches de piano, à des touches physiques pour accéder juste aux fonctions basique, genre régler la température dans ma voiture. Ça. Quand tout est sur un écran tactile, c'est un casse-tête. Oui. C'est-à-dire qu'on se retrouve en passe. Oui, ouais. Ça, c'est vrai que le mauvais exemple, en plus, il est chez Peugeot. D'un menu à un autre, c'est pour ça que c'est très bien. Là, il y a vraiment une réflexion, c'est vrai, sur l'interface qu'on a aujourd'hui avec les objets numériques qui sont mis à notre disposition. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de travaux sur l'ergonomie des voitures. On travaille beaucoup avec les ergonomes. Et bon, on regarde un petit peu les retours des clients sur nos voitures qu'on a déjà lancées. Et on s'est dit exactement ça, c'est-à-dire
bien finalement, c'est bien d'avoir des écrans dans les voitures, mais d'avoir des touches raccourcies, parce que ça revient à ça, pour accéder directement à un menu important comme la navigation, comme la température, comme la radio, etc. Eh bien, c'est pratique. Et les clients nous ont dit, oui, effectivement, c'est pratique. Donc, on y est allé. Donc, le progrès, c'est de remettre des boutons. Quoi, et ça reprend le design de l'ancien tableau de bord du 3008, en plus, qui était plutôt... Oui, alors, on associe du design à tout ça, parce qu'on veut faire des voitures, évidemment, agréables à regarder. Puis, moi, il y a un point, François. Alors, je suis assez... Tatillon, on sait. Ah, plus que ça, même. Oui. Il y a un point, c'est qu'il y a l'intégration d'un système audio... Ah. 3008 qui c'est à ce niveau adore, de gamme est une grande première je pense que je vais me régaler quand on va faire l'essai de la voiture déjà parce que à l'intérieur vous avez collaboré avec une grande marque française qui des leaders mondiaux de l'électroacoustique haut de gamme absolument. Et Focal. Pour concevoir Focal exactement pour concevoir vraiment une installation alors on va dire hi-fi parce que c'est vraiment de la hi-fi. Mais Jean-Luc tout ça c'est sur des options c'est-à-dire que c'est des options mais à ce niveau de gamme la trottinette c'est une option ton système c'est une option. La voiture, c'est une option aussi. Ben non. Enfin ouais, mais après, tout dépend le prix de ces options-là. Oui, mais ce n'est pas des options dont on pouvait disposer jusqu'à présent sur ce type de véhicule. Pour avoir une installation audio premium, il faut grimper sur des véhicules qui sont au-delà de 50 000 euros. Donc là, on accède vraiment déjà à de la très haute qualité à un prix beaucoup plus accessible. Donc on a effectivement signé un partenariat avec Focal et on propose ça évidemment en option parce que c'est quand même, il y a beaucoup de technologies embarquées et puis il faut que les gens aient envie d'écouter de la musique. Mais on embarque aussi de la technologie dès les premiers niveaux d'équipement. Par exemple, l'écran qui est au-dessus du volant, dans le combiné, eh bien, il est tout type. Donc on a décidé que la technologie, ce n'est pas simplement que pour les très hauts de gamme, c'est aussi dès le niveau d'accès à la gamme. Vous avez un écran digital avec tout ce que ça amène en termes de confort pour rouler, de personnalisation possible. Il est disponible dès le premier niveau. Alors Jacques, moi, ça, c'est ma déception cette année. J'adorais le concept de l'affichage tête haute. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous avez décidé que l'affichage tête haute, c'était tête basse, finalement. Non, c'est pas tête basse. Un peu. C'est tête haute quand même. Parce qu'en avoir le volant bien baissé, bon. Alors, nous, notre philosophie, c'est justement, on a abandonné volontairement les lames de projection parce que finalement, c'est des surfaces qui sont assez petites. Et ce qu'on propose, c'est donc cet écran qui est au-dessus du volant, qui permet de garder les yeux sur la route avec une richesse d'informations que vous ne pouvez pas avoir dans une lame. Donc ça, c'est vraiment notre philosophie. Et le concept du Peugeot iCockpit, c'est ça. C'est l'écran qui est sur la route. Alors, peut-être ça projette moins loin qu'une lame, mais qui est sur la route, qui est au-dessus du volant. Et je peux vous garantir qu'en ergonomie, en facilité de conduite, on a des résultats clients qui sont quand même très bons. Moi, j'avais une petite question concernant justement le fait qu'on est de plus en plus distrait en tant que conducteur par les smartphones, par tous ces écrans, par l'affichage tête haute, etc. J'imagine que c'est un sujet touchy, assez sensible quand même. Est-ce que, alors j'imagine que bien évidemment vous réfléchissez à tout ça, mais comment, ça va être compliqué de donner de l'information sans malgré tout perturber le conducteur ? Parce qu'on sait que c'est aujourd'hui le problème principal. Alors ce qu'on a développé sur la 3008, c'est la commande vocale. Vous misez sur le vocal en fait ? Parce qu'en fait, finalement quand on conduit, ce qui est important c'est de garder les yeux sur la route et effectivement d'éviter d'être trop distrait par tous ces écrans. Donc vous rentrez dans votre 3008, vous appuyez sur le bouton, où voulez-vous aller ? Je vais aller à la maison. Donc comme vous avez préenregistré votre adresse, la voiture vous guide tout de suite vers chez vous sans avoir à tripatouiller l'écran. Et on sait tous qu'on le fait en roulant et qu'on ne le fait pas à l'arrêt. Mais c'est un vrai sujet, à terme, il faut vraiment qu'on regarde bien tous ces sujets. Mais de mon point de vue, le vocal, c'est vraiment quelque chose de très performant dans une auto. Très bien, bravo pour ce prix de la voiture de l'été d'année. Merci beaucoup et bonne continuation. Et merci à Jean-Luc Moreau, que j'aurai le plaisir de retrouver dimanche sur RMC à partir de 8h pour le week-end des experts auto. Et on va parler, devinez de quoi ? Du mondial de l'auto, il y a des chances. Gagner, mais attention, on n'aura qu'une heure d'émission parce qu'il y a le Grand Prix. Eh oui, voilà. Eh bien voilà, Jérôme, je crois que là on est bien briefé sur le mondial de l'auto et c'est que le début. C'est que le début parce qu'on va se retrouver, quand, François ? Le 5 octobre prochain, ici même sur le stand Coyote, pour une demi-heure entière dédiée à toute l'actualité qu'on aura pu glaner pour vous. Et on sera même là le 12 octobre pour un troisième Zéro à Live spécial depuis le Mondial de l'Auto. Quand on aime, on ne compte pas. Ça dure 15 jours, c'est donc à la porte de Versailles, vous pouvez venir et puis passez nous voir le 5 octobre. Voilà, le 5 ou le 12 octobre, ça sera avec plaisir, ça sera dans l'après-midi qu'on enregistrera ces émissions. Merci à Pierre Thiolin. Thomas Romilleret, Noémie Lefebvre-Marek et Jean-David Duarte qui réalisaient ce live. Voilà, et à toute la rédaction de 01net qui est venue ce soir. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et à très vite. Salut à tous. Bonsoir.